Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que quelques légumes de Macédoine débarquent en pèlerinage sur le site de la gare de Troyes? Je crois que vous visualisez pas bien la situation. Alors voilà, ça c'est la Grèce, ça c'est les quelques bourgades que ces descendants de bergers voudraient soi-disant libérer, et ça, tout ça, c'est mon empire. Alors franchement, je vais pas m'en faire pour si peu. Ce gamin là, ce Alexandre, il vaut même pas la peine que je me déplace en personne. Je vais lui envoyer même nom de Rhodes, mon chef des mercenaires grecs. Ouais, parce que faut pas croire, moi aussi j'ai des Grecs. C'est même une vieille tradition dans l'Empire. Les 10 000 de la Nabasse de Xénophon, ça vous dit quelque chose? Hein? Non? Bon, bah en tout cas j'en ai. Et qui sont bien contents de servir l'Empire en plus. Alors je vais les laisser régler ça entre Grecs. Mais laissez-moi plutôt vous parler de moi. Vous savez que ma vie c'est quelque chose. Un incroyable roman d'aventure, de danger, de suspense. Voyez-vous, j'ai été porté au pouvoir par Bagoas, un eunuque égyptien. Ce type avait empoisonné le roi Artaxerxès III et fait mettre à mort tous ses héritiers sauf un, Arsès, pour le mettre sur le trône sous le nom d'Artaxerxès IV et le garder sous son contrôle. Mais le Arsès, il sentait bien qu'il allait pas tarder à se faire zigouiller lui aussi. Donc il a voulu se débarrasser de Bagoas. Trop tard. L'eunuque l'a empoisonné à son tour et c'est moi, un cousin éloigné, qui l'a fait couronner roi des rois. Mais attention, moi je suis un guerrier. Sur le champ de bataille, j'ai terrassé en combat singulier un géant cadousien, un monstre de 2 mètres. Pour cet exploit, j'avais été nommé satrape d'Arménie. Autant vous dire que j'ai plus de couilles que le Bagoas. Oui, enfin, je me comprends. On me la fait pas, moi. C'est pourquoi, voyant que je serais jamais son pantin, Bagoas avait fait préparer pour ma pomme une grande coupe de poison. Mais j'ai vu clair dans son jeu, et j'ai réussi in extremis à empoisonner l'empoisonneur. Alors, je vous avais bien dit que c'était palpitant, ma vie. Hein? Ouais. Vous vous en foutez complètement, c'est ça? Vous attendez juste de pouvoir reparler à ce Alexandre. Sitôt on avait débarqué, on a dû faire face à une armée perse commandée par Memnon de Rhodes, le mercenaire grec qui tient en échec Parménion depuis des mois. Alors, il faut dire que Memnon, on le connaît bien. Avec son grand frère Mentor, ils étaient au service du satrape de Phrygie, le noble perse Artabase, qui avait épousé la sœur des deux frangins. Il avait aussi donné sa toute jeune fille de 5 ans, Barzine, en mariage à Mentor, l'aîné. Quelques années plus tard, Artabase et d'autres satrapes se sont révoltés contre le roi des rois, Artaxerxès III. Et après une défaite militaire, ils ont dû tous fuir la Perse. Mentor s'est réfugié en Égypte, et Memnon avec Artabase et la petite Barzine. Devinez où ils ont trouvé refuge? À Pella, sous la protection de Philippe. Vous voyez qu'entre Perses et Grecs, les relations sont beaucoup plus compliquées qu'on l'imagine. Et pendant ses jours en Macédoine, Alexandre est devenu très ami avec la petite princesse Perse. Même que ça aurait un peu flirté entre ces deux-là, que ça m'étonnerait pas. Ou alors, vu toutes les questions qu'il posait à nos invités sur la Perse, c'est pas tant la conquête de la fille que celle de son pays d'origine qu'il avait déjà en tête. En tout cas, quand le frère de même nom, Mentor, est revenu dans les petits papiers de l'eunuque Bagoas, ils sont tous repartis servir l'Empire. Et à la mort de Mentor, la petite Parsine a dû épouser le frangin Memnon. Bref, avec ce gars-là, on est en terre inconnue. Il y aurait même, comme qui dirait, du passif. Et voilà qu'on se retrouve face à face de part et d'autre du fleuve Granique pour une première grande confrontation avec les forces perses. Fini les petites escarmouches avec le vieux Parménion. Cette fois, avec Alexandre à la barre, c'est une autre paire de manches. Comme à son habitude, Parménion s'est mis à conseiller la prudence à Alexandre. Il voulait temporiser, attendre un terrain plus favorable, blablabla. Alexandre lui a répondu qu'il n'avait pas franchi les Lespons pour être arrêté par un petit ruisseau de rien du tout. Et il a foncé tout seul, tête la première dans le fleuve, entraînant la cavalerie et toute son armée à sa suite. Ah, les gars en face, ils s'attendaient tellement pas à ça. On a pas mal galéré pour le traverser, ce fleuve. Il a fallu lutter contre le courant qui nous emportait, tout ça sous une pluie de flèches. Mais Alexandre a réussi à escalader le lit du fleuve avec Bucéphale. Et une fois que la cavalerie puis les phalanges en ont eu fait autant, on leur a roulé dessus allègrement. Bon, à un moment, il s'en est fallu de peu pour qu'il y passe, Alexandre. Il venait tout juste d'embrocher Mithridates, le propre gendre de Darius, quand le général Rosacès s'est jeté sur lui et lui a flanqué un grand coup de Macaïra, la machette grecque, sur la caboche. Faut dire qu'entre sa pole position et son casque à aigrette, il passe pas vraiment inaperçu sur le champ de bataille, notre roi. Et voilà qu'un certain Spitridates, satrape de Lydie ou de Ionie, je sais plus, a profité qu'Alexandre soit un peu déboussolé pour tenter de lui porter un coup fatal par derrière.
Et c'est là que je suis arrivé juste à temps à la rescousse. J'ai bondi avec mon cheval et j'ai tranché le bras de ce Pitridates pendant qu'Alexandre, de son côté, achevait Rosacès. Ouais, j'ai sauvé la vie de notre roi bien-aimé. Autant dire que j'ai sauvé tout le monde, parce que sans Alexandre, notre petite expédition était mal engagée. Voilà, enfin, toute simplicité. Après la bataille, on a réduit en esclavage tous ces traîtres de mercenaires grecs qui combattaient pour les Perses. Et Alexandre a fait envoyer 300 boucliers ennemis à Athènes, avec écrit dessus « Une grande victoire pour tous les Grecs, sauf pour les Lacédémoniens ». Eh oui, parce que Sparte, la Ligue de Corinthe, tout ça, mais enfin, vous savez déjà. Et après ça, ben, on a fêté dignement notre victoire par une grosse fiesta avec Coupe d'Héraclès à Barcusec et tout et tout. Alexandre, c'est pas trop son truc de se murger, mais faut bien qu'il s'y mette. Hein. C'est pas pour le plaisir, c'est pour les dieux. Il m'a tué mon gendre, sans blague. Et suite à sa petite victoire du Granique, les cités grecques de l'Empire se sont ouvertes à lui les unes après les autres. Sardes, en Lydie, puis Éphèse, en Ionie, où mes troupes ont fui sous les jets de pierre des locaux. Certains Perses restés sur place se sont même fait massacrer par leurs voisins grecs. Et lui, ce gosse-là, il arrive, il s'installe, il se pose en libérateur, il fait cesser les massacres, il restaure la démocratie, et patati, et patata. En fait, il conserve les institutions de l'Empire et il se contente de remplacer Messatrape par ses propres gars. Heureusement que certains ont tenté de résister, comme Amylet. Ça relève un peu le niveau. Et ben, rien à faire. Avec ses machines de siège, il a pété les murailles et il a envahi la ville. Et puis il a pardonné à tous les habitants, et après ça, il en a même enrôlé dans son armée. Non mais on va où, là? Je vais devoir m'y coller personnellement si ça continue. Et la foi de Darius, ils vont pas rigoler longtemps. Pendant le siège de Milet, la question s'est posée de savoir où affronter la flotte perse qui allait pas tarder à intervenir. C'est une flotte essentiellement composée de navires et de marins chypriotes et phéniciens, les meilleurs au monde. Le vieux Parménion insistait pour une bataille navale. Mais voilà que depuis la mer, on a vu un aigle tomber sur le rivage. Parménion y a vu un signe comme quoi il fallait attaquer avec notre flotte, mais le vieux il est nul en auspices. Les auspices, c'est tout un truc chez les augures. Hein. C'est la divination par l'observation du vol des piafs. Moi j'étais sûr que cet aigle nous indiquait que c'est à terre que le combat devait avoir lieu. Et c'est ce qu'a confirmé notre expert Aristandros. Au final, on a vite pris la ville de Milet. Et on a même réussi à faire fuir la flotte perse. Désormais inutile, puisqu'on contrôle tous les ports. Par contre, devant la ville d'Halicarnasse, capitale de la Carie, là, le siège a été plus long et plus compliqué. Il faut dire que c'est la ville de même nom, qui nous a échappé après notre victoire au Granique et qu'il est du genre têtu le bougre. Ça a duré un moment, ce siège. Plusieurs mois. Mais là encore, on a fini par prendre la ville et je l'ai fait raser pour l'exemple. Au début, les locaux étaient un peu énervés. Mais comme j'ai ensuite refilé le gouvernement à une ancienne princesse du coin, Ada, et qu'elle m'a même adopté comme son fils, ils n'ont plus eu de dents contre moi en Carie. Ah ! Et pendant le siège d'Halicarnasse, il s'est passé un truc vraiment étrange. Alors que je dormais, une hirondelle est venue taper de part et d'autre de mon lit et je me suis réveillé avec le piaf sur la tête. Alors, c'était un signe, c'est sûr. Mais de quoi, là, j'ai beau m'y connaître en auspices, j'arrivais pas à comprendre. Heureusement, Aristandros a réussi à interpréter. En fait, l'hirondelle venait me prévenir qu'il y avait un traître dans mon entourage. Et bingo, il se trouve que Darius avait soudoyé mon chef de la cavalerie thessalienne pour qu'il m'assassine. En échange de quoi, on lui avait promis la Macédoine. J'ai aussitôt fait arrêter et exécuter le gars. Ah, il est fort, cet Aristandros. C'est un bon augure. Ah bah ouais. Alexandre, je lui ai enseigné la raison, le logos, la déduction, la rigueur intellectuelle. Attendez, la philosophie, c'est pas de la gnognotte. Bon, après, j'ai eu que 2 ans, hein. Et puis, il a peut-être pas été toujours super attentif, le gamin. Après la Carie, on a enchaîné avec la Lycie, puis la Pamphylie. Ce qui fait que désormais, on tient toute la côte. Et les miracles se sont multipliés. En Lycie, près de la ville de Xanthos, une source s'est mise à déborder, puis elle a modifié son cours sans explication, révélant une tablette en cuivre sur laquelle il était inscrit que la Perse devait être prise par les Grecs. C'est pas incroyable, ça ? Alors, devant tous ces signes, pour enfoncer le clou, j'ai fait un petit écart entre la Lycie et la Pamphylie pour aller jusqu'en Phrygie, dans la ville de Gordion, où il y a la charrue de Gordias, le papa du célèbre et mythique roi Midas. Le joug de cette charrue est attaché avec un gros nœud, un truc de fou, inextricable, dont on dit que celui qui parviendra à le défaire se rendra maître de toute l'Asie. Alors, je pouvais pas passer à côté d'un truc pareil ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à mon enseignement, Alexandre a pour lui la puissance intellectuelle grecque d'une finesse sans pareille. Il est capable de résoudre les énigmes les plus ardues. Il a la patience et la concentration d'un esprit discipliné, affûté, supérieur, quoi.
En fait, j'ai formé le philosophe roi, cher à Platon. Pff, il était très gros, ce nœud. Et compliqué. Oh, ça m'a saoulé. J'ai pris mon copis, mon coupe-coupe, quoi, et j'ai tranché dans le tas. Et vu que la nuit suivante, la foudre est tombée juste à côté du bousin, bah tout le monde a été d'accord pour dire que les conditions de l'oracle avaient été bien remplies. Super! Memnon de Rhodes, après avoir continué à combattre les Macédoniens avec ma flotte jusqu'au bout, a fini par mourir de maladie devant la cité de Mytilène. C'est dommage, parce que c'était quand même le moins tocard de mes généraux. Ah ça, il était pas gaga Memnon. Eh bien Memnon, vous l'avez? Non? Bah en fait, vous êtes pas très jeu de mots, c'est ça? Enfin bref, tout ça n'a plus trop d'importance parce que là, ça y est, je me suis décidé, je vais moi-même m'occuper d'Alexandre et de son armée de bouseux. J'arrive. Et j'ai avec moi une armée de 600 000 hommes, dont les immortels, les soldats d'élite de ma garde personnelle. On rigole plus là. Vous allez voir qu'elle va vite se terminer leur balade anatolienne à ces Macédoniens. En arrivant en Cilicie, on a appris que Darius venait à notre rencontre avec une armée immense, bien supérieure à nous sur le plan numérique. Et c'est juste à ce moment-là, alors qu'on venait de libérer la ville de Tars, qu'Alexandre a eu envie de se baigner dans les eaux glacées du fleuve Kynos. Et là, il a fait un Jeff Buckley. Hein, quoi? Il s'est mis à trembler et il est tombé dans les pommes. Oui, mais comment vous le savez? Oh, ça arrive souvent dans le coin. Ah bon? En effet, il s'est retrouvé entre la vie et la mort. On était désespérés. Et Darius qui se rapprochait. Au bout de plusieurs jours, en dernier recours, Alexandre a demandé à Philippe, son médecin personnel qu'il suivait depuis l'enfance, de trouver un remède de cheval. Un truc radical pour le remettre sur pied. Le toubib avait bien une idée, une potion de sa fabrication, mais il nous a pas caché que c'était plutôt risqué. Et voilà que sur ce, Parménion écrit une lettre à Alexandre comme quoi, selon lui, le médecin aurait été payé par Darius pour l'empoisonner. Que faire? En définitive, Alexandre a dû se dire, si c'est Parménion qui dit ça, c'est sans doute une connerie. Parce que faut dire que c'est un peu une boussole sud, le vieux. Alors le roi a fait venir le médecin à son chevet, il a bu la potion d'un trait, puis il lui a fait lire la lettre. Le vieux médecin s'est dit scandalisé d'une telle accusation, mais aussi reconnaissant au roi de la confiance qu'il lui témoignait. Et après un passage difficile, où l'état d'Alexandre a semblé empirer, et pendant lequel on a tous serré très fort les fesses, le toubib en particulier, Alexandre s'est relevé. Juste à temps pour affronter Darius. Et il l'a pulvérisé. Je sais pas comment on a fait, mais alors que Darius avançait vers l'ouest et nous vers l'est, les deux armées se sont ratées dans la nuit. Et pourtant, ça en fait du monde. Quand on s'est rendu compte de la situation, on est aussitôt revenu sur nos pas et on est tombé sur les Perses alors qu'ils étaient coincés dans un petit défilé tout étroit, ce qui a eu pour effet de rendre inutile leur supériorité numérique. Oh les cons, ça a été un carnage. Des dizaines de milliers de morts côté Perse et de notre côté, à peine 800 hommes tués ou blessés. Alexandre a tout de même reçu un gros coup d'épée sur la cuisse, mais rien de bien grave. Quant à Darius, terrorisé à l'idée d'être capturé, il a sauté de son char sur un cheval et il s'est enfui la queue entre les jambes. Avec cette victoire, c'est toute la Syrie et la Phénicie aussi qui s'offre à nous jusqu'à l'Égypte. À ce rythme, c'est sûr. Dans un an à tout péter, on est de retour en Macédoine. Mais c'est pas possible, non mais c'est pas vrai! Il a le cul bordé de nouilles, ce mec! On était 10 fois plus nombreux! Et j'ai fui! Comme une merde! Et le pire, c'est que j'ai dû abandonner sur place mon campement. Avec ma femme, mes enfants. Et même ma mère! Après avoir poursuivi en vain Darius une partie de la nuit, Alexandre est revenu au campement perse qui, entre-temps, avait été pas mal pillé par nos gars. Mais on lui avait laissé la tente de Darius intacte pour son usage personnel. Et quand on y est entré à ses côtés et qu'on a découvert ce luxe incroyable, on était sur le cul. Des meubles précieux en or ou en argent, tous remplis d'or ou d'argent. Partout, on respirait l'odeur des aromates, des essences. Et puis alors, la salle de bain spéciale de luxe avec bassin baignoire et boîte à parfum. Oh. Alexandre a pu prendre un bon bain, puis on est passé à table. On s'est empiffré avec des mets tous plus succulents et délicats les uns que les autres. Oh la vache! Tu m'étonnes qu'ils soient tout ramollis, ces Perses. À côté, nous, on vit comme des Spartiates, enfin. Des Spartiates, je me comprends. On va dire que c'est plutôt rude, la vie en Macédoine, même pour les nobles. D'ailleurs, à un moment, Alexandre s'est exclamé:
Maintenant, je sais enfin ce que c'est que d'être roi. Il est con. Avant même que d'aller faire trompette dans la baignoire parfumée, Alexandre s'est de suite inquiété du sort de la famille de Darius. Il avait été informé de leur présence dans le camp, alors il a envoyé quelqu'un les assurer de sa protection et leur faire savoir que Darius était toujours en vie. Et le lendemain matin, Alexandre et moi, on est allés leur rendre une petite visite. Elles étaient encore toutes chamboulées, les pauvrettes. Et la mère de Darius, Sisi Gambis, une très belle femme pour son âge, s'est jetée à mes genoux en me prenant pour Alexandre. Quand on lui a fait comprendre qu'elle s'était trompée, elle était toute paniquée. Alexandre a ri de bon cœur et il lui a dit « N'ayez crainte, mère, car lui aussi est Alexandre. » Je crois qu'il a voulu dire par là qu'on est tellement proche que je suis un peu comme son alter ego, quoi. Son âme sœur, son double. C'est comme ça entre nous. Et puis appeler mère, la vieille, c'était tellement beau. Ça voulait dire qu'il allait les considérer comme sa propre famille. Et que ni elle, ni Stateira, la femme de Darius, ni ses petites filles n'allaient se faire violer. Ah, oh, elles étaient contentes. Ensuite, il a rencontré le jeune fils de Darius, un gosse de 6 ans, qui l'a regardé d'un œil mauvais. Et Alexandre a dit, celui-là a déjà plus de courage que son père. Il lui a fait un gros poutou et a promis que le gamin recevrait l'éducation qui sied à un prince. Toute la famille de Darius était en larmes. C'était un chouette moment. Et il n'y avait pas que la famille royale dans le campement. Il y avait aussi les femmes des généraux, dont la jeune veuve de même nom, la petite princesse Barzine, qu'Alexandre n'avait pas revue depuis son séjour à Pella, et dont il a aussitôt fait sa maîtresse. Pour célébrer la victoire et continuer à recevoir les faveurs des dieux, il a bien fallu refaire une fois de plus une énorme fiesta avec coupe d'Héraclès à boire cul sec et tout et tout. Ah, et puis avant de repartir, j'ai fait construire une ville pour marquer le coup, juste à côté d'Issos. C'est sympa de construire des villes. J'aime bien. La prochaine, je la ferai encore plus grande. Pour le nom, comme je trouvais pas grand-chose d'original, je l'ai appelée Alexandrie, tout simplement. Mais celle-là, elle est petite, alors on peut l'appeler Alexandrie la Petite, ou Alexandrie la Mineure, ou même Alexandrette. C'est mignon, Alexandrette. Alexandrette. De toute façon, vu que les Perses y prononcent mon nom Iskender au lieu d'Alexandre, je leur donne pas deux générations avant de renommer le bled. Sur le chemin de l'Égypte, les villes se sont rendues les unes après les autres sans moufter. Et puis voilà qu'en territoire phénicien, alors que tout se passait pour le mieux, les habitants de Tyr, la capitale, se sont sentis obligés de résister sous prétexte que leur cité est isolée sur une île et réputée imprenable. Mauvaise idée. Faut pas tenter Alexandre avec des défis à la con comme ça. Ah ouais, c'est une île. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Il a carrément fait construire une immense jetée pour relier l'île au continent et amener nos tours au plus près des remparts. Une entreprise titanesque. Eh ben, vous savez quoi? Chaque nuit, des plongeurs tyriens venaient détruire ce qu'on construisait dans la journée et couper les ancres des bateaux. Et notre flotte avait beau encercler la cité, les navires phéniciens, eux, restaient bien à l'abri derrière les remparts dans le port. 7 mois qu'il a duré ce siège. Pendant qu'on construisait cette grande chaussée destinée à relier Tyr au continent, un énorme monstre marin est venu se frotter à notre ouvrage. Un gros machin qui crachait de l'eau par le sommet du crâne. Toujours est-il que quand les Tyriens ont vu ça, ils ont aussitôt décrété que c'était Poséidon qui envoyait de l'aide. Alors que nous, de notre côté, on a plutôt interprété ce signe en notre faveur. Les Tyriens ont fait la fête toute la nuit. Et au petit matin, ayant décoré leur navire de guirlandes et de fleurs, ils ont tenté une sortie en ouvrant grand les portes. Et on les a tous coulés. Comme quoi, avec les présages. Bah, le plus important, c'est surtout d'avoir les meilleurs devins. Pendant le siège, Darius n'a pas arrêté d'envoyer des lettres à Alexandre. Il lui proposait de garder les provinces déjà conquises, d'épouser sa fille, et en échange de quoi, on devait lui rendre sa mère et sa femme. Parménion trouvait que c'était un bon accord, et il a dit que s'il était Alexandre, il accepterait. Alexandre lui a répondu que lui aussi, s'il était Parménion, il accepterait. C'est l'humour molosse, ça. Ah, il a tiré la gueule, le vieux. Mais Alexandre, il va pas s'arrêter comme ça en si bon chemin alors que tout lui sourit. D'ailleurs, on a fini par prendre Tyr, et pour l'exemple, il a fait exterminer tous les Tyriens, afin que désormais plus aucune cité ne nous ferme ses portes. Eh ben, peine perdue. Juste après, c'est la ville de Gaza qui s'est mise en tête de nous résister. 2 mois de siège supplémentaire, avec en plus une belle frayeur, quand un trait de catapulte a traversé le bouclier et l'armure d'Alexandre. Lorsque Philippe, le médecin, a retiré la pointe, le sang a giclé comme jamais on avait vu ça. Mais Alexandre s'est relevé et il est aussitôt reparti au combat, se faire blesser à nouveau. Cette fois à la cuisse.
Vous pensez qu'avec ces deux blessures qui en auraient tué plus d'un, il se serait posé un instant le temps de souffler? Eh ben même pas, il a continué le combat sans faiblir. Devant cette détermination, le chef de Gaza, un certain Baptiste, a fini par se rendre, comptant probablement sur la magnanimité d'Alexandre. Seulement, après s'être fait charcuter toute la journée, il n'était pas vraiment d'humeur indulgente, notre Alexandre. Il a chopé le Baptiste, lui a fait passer une corde au travers des talons et l'a fait traîner par un char jusqu'à ce que mort s'en suive. Un peu comme Achille avec le corps d'Hector suite à la mort de Patrocle. Sauf que là, le gars était vivant. Je me rappelle qu'avec les copains, on s'est dit, oh la vache, dis donc, le chef de Gaza, il ramasse. Après Gaza, on est arrivé très vite en Égypte, et là, j'ai été accueilli en libérateur. Les Perses étaient tellement mal comportés lors de leur invasion que les Égyptiens étaient ravis de nous voir. En fait, depuis un moment, ils espéraient notre arrivée. Ils nous avaient même déjà envoyé un contingent de soldats pour nous aider à Issos. Ah, je vous dis pas la fête quand on a franchi le Nil. À Memphis, la capitale religieuse, j'ai procédé à plein de sacrifices au dieu Apis, et j'ai fait reconstruire les sanctuaires de Thoutmès III à Karnak et celui d'Amenophis III à Louxor que les Perses avaient détruits. Et puis, quitte à être lancé dans la construction, j'ai commencé à chercher un lieu propice pour bâtir une nouvelle Alexandrie, beaucoup plus grande, et cette fois tournée vers la mer. Et voilà qu'une nuit, dans un rêve, un vieillard aux cheveux blancs est venu me parler d'une île sur la côte appelée Pharos. C'était Homer en personne. Et à mon réveil, on a vite trouvé l'île en question. Sur le rivage, juste en face, on a alors commencé à tracer à la farine sur la terre noire les contours de la future cité, en lui donnant la forme du traditionnel manteau militaire. La chlamyde. Du grec chlamus, génitif singulier masculin, chlamydos, génital singulier féminin, chlamydia. Et là, sitôt on avait terminé de répandre la farine, que des nuées d'oiseaux de plein d'espèces différentes sont venues la dévorer. Alors vous me connaissez, j'étais troublé. Mais les devins m'ont vite rassuré. C'était en fait le signe que cette ville sera très peuplée par des gens venus du monde entier et que chacun y mangera toujours à sa faim. Alors j'ai aussitôt lancé les travaux. C'est une grande tradition en Égypte de faire construire tout un tas de trucs quand on est pharaon. Ah mais oui, mais parce que je vous ai pas dit. Quand j'étais à Memphis, je suis monté sur le trône, coiffé du fameux pshent, la double couronne symbolisant l'union de la basse et de la haute Égypte, et devenant par la mer le nouveau pharaon. Oui, alors, cette histoire de pharaon, c'est pas trop. Non, c'est vrai que culturellement, en Grèce, on s'est toujours senti proche de l'Égypte. Après tout, les panthéons grecs et égyptiens sont assez compatibles. On prend le nom du dieu suprême égyptien Amon, on lui ajoute un M pour ressembler au mot grec Amos, qui veut dire sable, on lui colle un Zeus en entête, et hop, on a Zeus Amon, le Zeus des sables. Et tout le monde est content. Mais de là à se faire couronner pharaon, c'est chaud. En plus, avec la coiffe, les bâtons et tout et tout... Je me demande si c'est pas un peu de l'appropriation culturelle. Au cœur du désert égyptien, loin de tout, il y a un temple très célèbre, Siwa, dont on dit qu'il fut visité par Persée et par Héraclès. Je pouvais pas passer à côté d'un tel lieu sans aller y faire un tour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je l'ai pas regretté. Même si, avec une partie de mon armée, on a dû braver de nombreux dangers pour nous y rendre. Mais heureusement, sur le chemin, les prodiges se sont multipliés. Alors que le soleil du désert allait nous tuer, il s'est soudain mis à pleuvoir. Nous allions nous perdre dans les dunes lorsque des corbeaux sont apparus pour nous guider. Incroyable! Et ainsi, de miracle en miracle, nous sommes arrivés jusqu'à l'oasis, devant ce temple mystérieux. J'y suis entré, seul. Et là, un vieux prêtre m'a salué et m'a révélé que j'étais bel et bien le fils de Zeus. Comme ma mère l'a toujours proclamé. Quel choc! J'en suis ressorti transfiguré, prêt à en finir une bonne fois pour toutes avec Darius et à devenir ainsi le seul maître de tout le monde connu. Un dieu vivant, car d'ores et déjà, fils du dieu suprême. Oui, alors déjà, moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est que le vieux prêtre, il avait un peu de mal avec la prononciation grecque et que quand il a voulu dire à Alexandre « Zeus te salue mon fils », il a dit « Zeus salue son fils » ou un truc comme ça. Comme quoi, la grammaire, c'est important. Mais toute cette expédition juste pour ça, c'est con quand même. Surtout pour Hector, l'un des trois fils de Parménion, qui est mort noyé dans le Nil sur le chemin du retour. Alexandre, qui l'aimait beaucoup, lui a organisé des funérailles grandioses. Mais je suis pas sûr que la famille Parménion, elle soit ravie pour autant de l'escapade à Siwa. Non, et puis franchement, cette histoire de Zeus, sous la forme d'un énorme serpent venu féconder Olympias, vous y croyez, vous? Non, moi perso,
Je crois que le seul serpent qui est venu cette nuit dans le lit de la reine, c'est Bilip et sa grosse... Vite ! Kletos, mon ami, fais tes bagages. Nous quittons l'Égypte pour Babylone, où Darius rassemble ses troupes une fois de plus. C'est la confrontation finale, l'heure de vérité. Déjà ? Ah bah c'est Ptolémée qui va faire la gueule parce qu'il se plaît vachement en Égypte. Oui bah il reviendra un de ces quatre en permission. Pour l'instant c'est la guerre qui nous attend à l'est. Allons nous couvrir de gloire et du sang de nos ennemis. Debout ! Les lances seront secouées et les boucliers voleront en éclats. Une journée de l'épée, une journée rouge vers le soleil qui se lève. Au galop ! Au galop ! Courons à la ruine et à la fin du monde ! À mort ! Et c'est reparti. Stades, 12 pieds. 14 568 stades, 13 pieds. 14 568 stades, 14 pieds. 14 568 stades, 15 pieds. stades, 20 pieds. C'est joli par ici. Mais où ils sont encore tous passés, ces cons-là ? Oh, la prochaine fois, j'utiliserai un chameau. 14 568 stades, 21 pieds. 165 pieds. 14 280 stades, 166 pieds. C'est quoi cette flotte ? Ah non, mais c'est pas vrai ! Oh non, mais je fais comment, là, maintenant ? Ah, j'ai dû me planter quelque part. Je dois revenir sur mes pas. Bon, bah j'ai plus qu'à compter à l'envers. Et merde, mes pompes.